3 semaines, 15 jours. Voilà, il y a un trève hivernage qui nous couvre légalement. On a reçu le proprio à plusieurs reprises, on s'est très bien entendu, on a parlé. Sans aucun problème, il est venu il y a quelques jours de ça avec des ouvriers un peu balèzes. Ils ont défoncé la porte, je me suis fait sortir de là, on est au premier étage, il a fallu que je sorte en 3-4 secondes. Ils voulaient vraiment me passer à tabac, quoi. De là, j'ai appelé les flics. Les flics, ben, quand ils ont vu qu'on connaissait la loi, ils ont fait respecter la trêve hivernale. Et voilà, ça a commencé à 15h, ça s'est terminé à 20h30. Ils ont attendu en bas jusqu'à ce que les proprios partent. Voilà, donc ben, maintenant on sait pas. Peut-être qu'ils ont assez émerdé pour qu'on ait droit de faire quelque chose dans ce bâtiment. Voilà, une association à caractère d'insertion sociale, ou proposer des projets pédagogiques ou un lieu d'échange social comme il n'y en a plus beaucoup. Ou alors, eh ben, on aura au moins gagné un mois de délai et on sera là jusqu'au 15 mars. Bon, est-ce qu'il y a eu des violences de la part de ces gens-là? Ah ouais, bah violences physiques. Violences physiques, avec une massette, ils nous sont tombés dessus. Ah ouais. Faut regarder la porte, comment ils l'ont. Dégradation de biens publics, ça c'est ce qui nous a fait pied de biche et massette pour nous sortir d'ici. Voilà, il a attaqué direct au mur. C'est la massette que j'ai pris dans l'arrière de la tête et dans l'épaule en sortant. En bas, bah, en torse, dans la descente précipitée. Quoi. Voilà, voilà. On a l'électricité, on a l'eau, on subvient avec nos besoins, avec la musique, en posant le chapeau. On va se laver dans des associations, mais voilà. Voilà, voilà. Le squat. On va l'appeler la trêve. On va l'appeler la trêve. Ça, c'est important, ma côté. Ouais.